précédemment dans Maeva et Curtis. Sors, on s'appelle. Hé, qui derrière moi? C'est moi, Tonya, sors, je t'aime. Toi, je sais comment t'as envie d'être tout ça. T'es la seule qui peut me sauver parce que franchement, là, je sais plus quoi faire avec lui. Je vais lui parler parce que ce qu'il fait, c'est pas normal du tout. S'il te plaît, monte. Ouais, t'inquiète, tu peux monter là. Tu vas monter? Ouais. Eva! Eva, Maeva. Sinon, ça a été ton voyage? Ouais, très bien, très bien. Ah, ok. Ça va la famille, les amis, tout ça? Ouais, ça va. Ça va? Ça va. Bon, ok. Tu sors d'où toi encore? Hein? Je suis pas chercher de l'eau, j'ai profité de prendre un petit gâteau là. D'accord. Ah là là, tu vas manger. Ah, ça va, je suis là. Comme d'habitude. T'sais. T'aurais pu leur amener du jus quand même. Non, elle a dit avec de l'eau. Ça va, bien oui, sûr. Ça va. Bon, ok. Allez, on va le voir. Ça sent bon pour toi là-bas, t'es. Les sacs, les fraîches. Bah attends, là, c'est pas ta soeur. Pas bon, bah. Je pense que vous avez beaucoup de choses à vous raconter. Je vous laisse un petit peu. Mais non. J'ai pas envie de. Ça me dérange. Ah, non, on va laisser deux. On peut partir. Oh, tu vas manquer de thé. Ça sort de toi, hein. Non, ça va, ça va. Les sacs, les bijoux. Ouais, je suis pas ta soeur, ou bien. Eh oui, je connais. Tu vas ramener quoi, bah, rien, comme ça. Tu me sacs. Et toi, après, fille, dans ta valise, elle a bloqué tes trucs, ça. Tu me connais, là. C'est ouvert. Mais pourquoi tu lui parles comme ça? Bah, je la connais pas. Oui, mais je ne connais pas, tu viens, ton grand frère, tu trouves une femme quand même. Vicky. Quoi? Vicky. Qui s'est fini ça? Comment ça s'est fini? Je viens toujours la voir. Laissez-la. Tu es resté dans cette tension. Non, mais je suis pas d'accord. Hein. D'accord Vicky, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Oui. C'est pas à cause de ça là que tu vas changer de vie. Ça va venir. Parce que à cause de quoi? À cause de maison, quoi. Vous avez un passé lourd, vous êtes attachés l'un à l'autre. Je pense que c'est plus comme avant, tu vois. Mais maintenant, je la vois pas trop. C'est vrai, on se voit souvent et tout, mais. Y a pas grand chose en fait. Non, mais je vais arranger ça. Tu vas arranger quoi, ça? Peut-être tu peux arranger quoi. Pourquoi t'es comme ça, mais. Laisse. Non. Il y a une nouvelle vie maintenant. Je suis bien, je suis là. J'aime. Ma petite. Voilà. Tout se passe donc, bien. Pourquoi tu vas toujours la voir alors? C'est de temps en temps. Parce que là, tu joues avec ses sentiments, là, j'aime pas ça. Elle sait déjà. Donc, c'est pour pas lui mentir que je joue avec ses sentiments ou quoi, tout ça. Elle sait déjà, de base, elle savait tout. Il est tout dit, donc c'est pas elle va venir te raconter. Et puis, tu l'as vu quand d'abord? Je l'ai vu. Donc, toi, tu dans la voie d'abord, elle est moins chez moi. Pourquoi pas? Mais t'as dormi. Mais c'est ma belle sœur. Parle tout son héros. Ah, on fait rien à ça. Non, on fait quelque chose à ça. J'arrête de parler de celle-là ici. En plus, ok, on parle de ça. Quand on va sortir, on va partir de 10 000. Après, on parlera de tout ça. T'es venu ta valise même. Je suis venu rester chez mon grand frère. Il y a un problème avec ça. Et toi, tu m'as même pas appelé. Donc quoi? C'est mon grand frère. Ouais, mais t'as resté. Et j'ai pas dit, est-ce que t'as pas dormi? Ok, non, faut pas me parler comme ça à cause de celle-là. Ah, mais c'est pas mal. Non, c'est t'es bon, trop sale. Ah. Bon, ouais, t'es où ton gars? Mon gars, il est là quand même. Bon, t'as quelqu'un, c'est ça.
Non. T'es là-bas, t'es d'abord, t'as déjà venu ménager. Moi, ici, dans mon où j'étais, t'as déjà venu ménager. T'as là-bas, je veux ton bien. Mais elle, ici, elle veut pas ton bien. Hein. Ici, dans bien, ici, dans bon. Ici, dans tout, actuellement. Est-ce qu'on va régler ça après? On va partir manger. Il est parti me laver. On va partir manger quelque chose. Ok, il n'y a pas de soucis. Il y a chef même. Allez, allez, placer ta magie à l'argent. Puis dans ta chambre là-bas. Il n'y a pas de soucis. Tu as manqué d'être. Moi aussi. Et toi, dis-moi. On est là, non? Deux jours. Voilà aussi. Voilà, on a fait comment? Voilà une nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle. Attends, avant que tu n'as qu'à parler, Jessie, viens, tu me proposes même pas l'eau. Oh, dis-moi, regarde, si tu sais pas où il faut l'eau là, c'est tout. Okay. Tu n'as pas soif? Non, c'est bon, c'est moi qui t'ai donné l'eau, Carlo. Ouais, si tu as soif, c'est bon, c'est tu as dit ta bonne nouvelle, vous parlez. Ah, voilà. Donc, il te disait, il y a un petit bout, vous faites ta raison aussi. Faites pas voir, quoi. Là, t'es toujours en train de poser des trucs bizarres, bizarres. Non, il y a organisé une fête ici. Faites pas voir, quoi. T'as des 11 jours, quand t'as déjà organisé une fête. Je vais te demander un mariage, Maïva. T'as fait une demande de mariage à Maïva. Frère, t'as changé. C'est le moment de me poser. Mais attends, il est déjà 21h30. Il devait passer depuis 21h. Aïe. C'est quoi son problème en fait? Attends, je vais l'appeler. Ouh. Oui, allô, ça fait la deuxième fois que je t'appelle, je tombe sur la messagerie. Donc, dès que tu as mon message, appelle-moi en fait. Tu savais que tu devais passer, donc la moindre des choses, c'est d'appeler après. Voilà quoi. Attends, je vais lui rappeler encore une troisième fois. Là, s'il n'a pas décroché, là, en fait, genre, il est vraiment en train de se foutre de moi. Quoi? Messagerie? Non, mais attends, il est sérieux là. Donc, en gros, il est en train de lui poser un lapin. En tout cas, j'espère qu'il va m'appeler, hein, parce que s'il ne m'appelle pas, j'espère qu'il sait à quoi il doit s'attendre. Ouais, comme le disent les blancs, je suis épaté. Hein? Non, si tu connais non, les crédits, hein? Félicitations, laisse-moi juste moi. Hein? Là, c'est pas du jeu. Tiens, le dragon. Je dois venir. Donc, elle est trop une petite fête, j'ai invité tout le monde, mais c'est une fête surprise. Elle m'a rattrapé quoi? Ouais, c'est pas, tu vois. Après, elle va rentrer pour tout, tu vois. J'ai déjà un petit coffret au. J'ai ça, imagine sa tête, comment ça l'a géré. Oh, ouais! Non, mais t'es pas venu, ça me fait plaisir. Attends, on dirait que t'as préparé ton coup de boule dans tes mains. Non, il y a longtemps, il calcule ça, attends, tu vois. Alors, toi, tu calcules d'un coup, tu veux pas parler ça? Ah, mais toi, si c'était du ça, là, c'est même chose. Non, mais c'est pas bien ça. Ah, tu m'as. Bon, vous me demandez pas là. Non, mais là, donc, c'est une surprise. Le même jour de la fête à tout le monde, on va voir qu'elle déballe du bas de moi, tout ça. Mais là, attends, attends. Quand on dit Dieu change l'homme, là, Dieu change l'homme de... Ah, ouais, ça. C'est aujourd'hui, mon frère, il parle de mariage. Allô, Vicky? Mais il se passe beaucoup de trucs ici, il faut que je te raconte. Curtis, il va proposer en mariage Maëva. Tu y crois ou pas? Faut que tu fasses quelque chose, parce que là, ça va loin. Ça va très loin. Ok, ok. Rappelle-moi, rappelle-moi. Ta soeur est compressée longtemps, hein? Franchement, elle va rester ici un peu. Hein? Elle va rester ici. Comment ça, elle va rester ici? Elle va rester avec nous pour l'instant, pour le moment. Après. Donc, toi, tu viens, tu m'imposes comme ça, ouais. Mais c'est pas que je t'impose. Non, arrête, dis pas que je t'impose les trucs ou quoi que ce soit. Moi, je savais même pas qu'elle avait venu. T'as vu que c'était une surprise, tu vois. C'était la raison, hein. Ouais, mais sinon, après, je dit quand même, c'est mais attends, elle va rester combien de temps? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais pourquoi elle reste pas chez ta mère? Vas-y, tu connais ma mère, c'est toujours les disputes avec elle et tout. Donc, en plus, elle a pas l'air super gentille, hein. Tant mieux que t'as vu comment elle m'a accueilli, enfin, comment elle s'est comportée avec moi, tout ça. En plus, franchement, elle est pas très accueillante.
Elle était super froide avec moi. Aussi. Bon, ça va changer. Ça franchement, Curtis, il faut voir ça parce que moi, je sais pas, elle m'a mal à l'aise. En plus, elle vient et tout, je m'avais même pas parlé d'elle. Bien. Mais je te dis, c'est une surprise. En plus, elle se comporte comme ça. Et c'est la première fois qu'on voit. Voilà, moi, je fais dans les formes. T'inquiète. Bon, bonne nuit. Moi, je vais dormir. Comment t'as dormi? Comment ça, je vais dormir? Tu crois que j'ai oublié ce que t'as fait là? Oh, là, là. Donc, ça y est, pour toi, ta vie, elle est trop facile. Ça fait combien de temps que je t'ai parlé? Eh bien, arrête ça, s'il te plaît, viens, viens. J'ai sommeil. Va voir ta vie. Oh, tu parles de quoi? Mais... Non, laisse-moi. Arrête ça, s'il te plaît. Non. Viens. Non, je viens. Viens, pas. Eh bien, c'est fou, dis-toi. Mm-mm. Tu vas continuer comme ça. Mm. T'es sérieuse? Ouais, je suis sérieuse. C'est pas parce que tu m'as donné iPhone que ouais, c'est bon. Fini. C'est bon, t'as raison. Moi, je parle pas trop. Mmh. Et depuis je te demande pardon, depuis je fais des efforts, t'es là, tu... Mais quel effort? Tu fais si c'est, toujours, si c'est toujours la même chose. Mais c'est quoi, c'est toujours la même chose? Comment ça? C'est quoi, c'est toujours la même chose? Tu sais, vas-y, laisse-moi. Donc ça te manque pas, quoi. Moi, je parle pas. Non, mais ça te manque pas, quoi. Quand t'as me demandé, t'as voir ce que t'es proposé. Quand tu seras content, tu vas plus te fâcher, déjà. Vas-y, pas de nuit. Allez, bien, arrête. Hein? Arrête. Hein? Avoue que je te manque. Hein? T'as vu, t'es là et tu voulais dur. Ça sert à quoi? Viens, on t'entend, allez. Hein? Là, tu fais le mariage. Hein? Je vais dormir. Mais il y a de la place. Curtis, je peux te parler vite fait? Ok. Yeah. Non, mais lève-toi maintenant. Comme je suis en vacances. Mmh, je profite un peu. Ben, je sais pas, j'ai pas grand chose de prévu, mais il y a des copines qui doivent passer tout à l'heure. En fait. Ah, c'est bien ça. Mmh. C'est-à-dire que ça va bouger un peu. Voilà. Parce que c'est assez calme comme les derniers temps. Et sinon, ça se passe entre vous? Ouais, ça se passe. Ça va? Pourquoi t'hésites comme ça? J'espère que ça va. Ouais, ça va, t'inquiète, y'a pas de problème. Il te maltraite pas trop, ça va? Non, pas du tout. Pourquoi tu poses toutes ces questions? Bah, je sais pas, vous disputez tout le temps, donc je voulais savoir si ça allait, tu vois. Non, ça va. Et ton moral, ça se passe? Très bien. Sinon, avec Vicky, c'est comment? Vicky? Sa meilleure amie, là? Ouais. Moi, je parle pas, hein. Je sais pas. Bah, je m'en fous un peu. Pourquoi? Bah, c'est la meilleure amie de... Sa meilleure amie. Bon, bref, laisse tomber. Ah, Vicky, la caille. Oh, oui. Ah. Oh, oui, vite. Ah, ma belle. Tu sens bon, toujours fraîche. Ça, c'est la femme à mon frère. Ah, vraiment. Ah. Mais je sais pas comment tu fais. Mais comment ça?
ça, je comprends en fait toutes tes questions là. Bah, je sais pas, il te trompe de gauche à droite, mais tu es toujours. Ah, là. Mais ça, c'est les hommes, hein, laisse tomber. Pff, tu sais, comme je te disais, il a. Ah, ça doit être mes c'est copines. Ah, je vais aller voir. Je ça fait longtemps. De fou. Allez-y, vous asseoir. Merci. Je vous présente ma belle sœur. Enchantée. Bonjour. Nouvelle du pays. Ah, il n'y a pas de nouvelle du pays. Oh. Mmh, on est là. Ah, oh, ça va. Pas très copine avec des consentements. Bon, moi je vais vous laisser là. Ok. Au revoir. C'est ta belle soeur qui est là. C'est ça. C'est vrai, c'est ta belle soeur. Sinon, ça, moi, il dirait que ça a 2 minutes. 2 minutes, comme ça, c'est tu. Je fais comment? J'ai pas le choix. Ben oui, la dernière fois. Quoi? Ah, c'est été. Toi, tu m'as abandonné, tu es parti voir ton gars là. Ton homme marié. Ah vraiment, en tout cas la petite là, elle va juste sa grand-mère, c'est bien, tu sais, ça lui fait du bien. Mmh, la mousse. Eh ben, ça va un peu. Ça, c'est la femme de mon frère. On va répondre. La femme de mon frère. Non, mais c'est que si je suis venu te voir aujourd'hui, pour te parler un peu, quoi. Par rapport à quoi? Non, tu sais, bon. Mon ami il m'a dit que tu l'appelles beaucoup quoi. Mm-hmm. Moi en tout cas il sait que toi là, il sait que tu fais pour lui. Il sait ça. Parce que pas moi j'appelle qui. Parce que quand il me parle de toi. c'est ton médiateur. Il dit Vicky il est joli. Vicky. Il sait pas quoi. Mais voilà. C'est sûr. Il dit t'aime beaucoup, mais il dit tu l'appelles trop. Toi, tu sais qu'il aime Maëva à la maison, tu l'appelles trop. Faut essayer de revoir un peu mieux. Il a qu'à plus venir me voir alors. C'est ici qu'il essaie de se revoir un peu. Lui, il va se revoir, il m'a déjà dit ça, mais au niveau. Mais de... il dit et puis il fait pas. Que tu sais, on le connaît, il est comme ça. Mais toi, tu l'appelles beaucoup, tu es beaucoup fond de lui. Là, mais oui. C'est ça là. Joe, il fait comment ici, fond, non? Et c'est sûr, l'homme qui n'est pas fond, il peut faire quoi, l'homme qui est mal. C'est pas celle qui parlait avant quand on disait que. Quand on disait quoi? Maintenant, c'est toi qui. Ah, mais il faut parler de couteau aussi. Depuis que tu as dit, il est là. Il est là, ça va, Christian? Je vois, il n'est pas mangé. Mais il est bizarre. Il est trop bizarre, ça va. Je sais pas. Elle, sa patronne, lui, d'après lui, c'est un homme d'affaires. Toujours, il avait au téléphone avec sa patronne quand on mange. Ça, c'est bizarre. Patronne, attends, bébé, je dois répondre. C'est suspect. Suspect même, c'est petit. Non, je pense que je vais questionner Curtis par rapport à ça. Par rapport à la dernière fois. Curtis par rapport. La dernière fois, tu sais ce que j'ai fait? J'ai débarqué chez l'autre là-bas. Je te jure. Et j'ai pété un câble en même temps. J'ai dit non, cette fois-ci là, je vais pas laisser ça comme ça. Vous avez battu quoi? Oui, on s'est battu bien même. T'as bien fait. Vous dites quoi? Tu la vois comme elle est là. Zéro. Même pas force. Rien du tout. Et puis c'est elle qui est grosse. Et puis c'est elle qui parle. Mais genre, t'as sonné tout est en vert. J'ai sonné. En fait, moi, de base, quand je suis partie, c'était pour les attraper sur le fait. Il était pas là. Non, il était pas là. Monsieur était déjà parti. Je sais pas. Allô. Allô. C'est qui? C'est qui? Ah ouais.
Ça va? Dis-moi, ça va, bien. Tu es quoi? Tu es mon roi. Attends, maintenant. Bah attends, attends. D'accord, il n'y a pas d'or, il arrive. Il n'y a pas de... Mais j'aime pas ce qu'il fait, cette maïva. Oui, mais moi, il te dit, tiens, toi, il va marier après. C'est ça. Il me parle trop de toi. Il me parle, elle, matin, il me parle. Mais midi, il me parle. Il me fatigue. Vicky. Moi, des fois, il me dit, mais faut te calmer. Midi, tu l'appelles trop. Tu as trop d'affaires. Non, mais c'est rien, tu viens de me dire là. Moi, il savait, il sait que tu as beaucoup faim de lui. Tu viens de me dire, c'est ça. Mm. Il t'a posé la question, mais il savait. Mais au niveau des appels, il faut te revoir. Parce que je prends des messages, j'en parle beaucoup pas. C'est pour ça que je me permets d'appeler. Oui, mais toi, mais tu sais qu'il est à la maison, Maïva. Quand tu appelles beaucoup là, c'est pas bon. Hein? Moi, il sait que toi, tu es un diplomate. Toi, tu es déjà joli pour mon frère. Moi, il sait que c'est toi, il va marier. Ça va. Oh, yes, c'est toi! Non, mais c'est toi qui va marier! Jolie femme, Moussa! Claire! Donc, j'ai la naissance des ordres, mais je ne sais pas, j'attends. C'est dur d'être, ma dur, chérie, ça va aller où? Ah, Tony, il faut sortir un peu. On a pas de c'est bon, je passe avec vous. Ah, bon? Ok. J'en ai toi, camarade. Il était dit. Sinon, t'es mariée? Non, pourquoi? Non, comme tu parlais d'un sens de divorce, je sais pas. C'est très très privé en fait, je parlais à ma pote après. Okay. Mais toi, pourquoi t'es ici? Pourquoi t'es venue chez ton frère en fait? Parce que c'est mon frère, toi-même tu l'as dit en fait. Donc je sais pas, tu es venue me rendre visite, je sais pas. Oui, je suis venue okay. Pour rester pour le moment. Pourquoi, il y a un problème? Tu comptes rester longtemps? Oui. Enfin, j'ai pas de durée. Tu as un peu quoi. Voilà. Ah, okay. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Je suis avec ma belle-sœur, il n'y a pas de problème, donc je vois pas pourquoi tu me poses la question, mais bonsoir. C'est pour m'informer, hein, écoute. Ok. Je voulais juste savoir. Savoir? Oui, savoir. C'est bien pour toi. Comment dire cette question quand on va question? Quand t'es venue, t'as posé la question, sinon qu'elle sait que je posais une question. T'as la bouche, hein? Bien sûr. Maintenant que toi, c'est ta bouche pour venir. Je pense que tu sais bien que tu fais expérience. Oui, c'est mieux. Non, pose-moi ça. Au revoir, il faut qu'il paye ici. Merci pour la considération, ça me fait plaisir. Mais elle, la petite, c'est comment? Elle va bien, c'est comment? Oui, comme je t'ai dit, hein, elle est chez sa mamie. Elle grandit. Hein. Mmh. Maintenant, elle fait déjà les quatre pattes. Hey. Elle dit maman. Ah, la petite, là, elle va me tuer. Mais tu sais que c'est ta photocopie. C'est ta photo, c'est jolie, maman. Ça, c'est la femme de mon frère, ça. Jolie comme ça. Il faut venir la voir un peu, toi tu viens de la voir. C'est bientôt son anniversaire, non? T'es fini? Pas le cadeau. Yep. Yeah. Oh, la dernière fois, il s'est parti. Il y a pensé à partir son jouet pour payer. Tu vois les voitures, on est dénés, puis ça conduit. Oui, parce que elle, quand elle a son petit trotteur, elle aime bien se tenir debout avec. Tu vois. Ah, t'as vu? Ça lui plaît. Je suis ton tonton, il est vu. Il est vu. Ça lui plaît, non? Il a payé ça. Elle va rouler comme ça, elle s'est accoupée là. Tu connais ça? Mais elle sort de ta belle sœur. Est-ce que je sais? Je sais pas, un soir on était là et tout, et elle est venue sonner à la porte. Après, Curtis me dit non, elle va rester un moment avec nous. Non, mais elle vient des États-Unis. Oui, elle va quand même comme ça. Quand même quoi. Elle se gêne, je crois. Ah oui. Tu as vu comment elle est impolie? Elle est insolente, elle est gardée. Vous l'avez remis un peu à sa place, elle me plaît. Mais toi, tu as que c'est bien, moi, j'aurais foutu à la porte. Moi, je vais lancer par la fenêtre. Et les filles, vous êtes tuées. C'est ma belle-sœur qu'on a bien fait comme moi. Ouais, tu es obligée de supporter. Mais Curtis, lui. Lui, il ne demande pas comment ça se passe en boulot et tout. Lui, s'en fout, il fait ses trucs. Mais au moins, ça te fait un peu de compagnie. Ouais, je. Compagnie.
En tout cas, vraiment, voilà. Très médiocre. Très, très médiocre. En tout cas, Micha, faut voir Christian, faut le suivre de près. Parce que cette histoire de patronne là. T'inquiète pas. Je crois même jamais être radar sur son téléphone. Où il va. Il est trop suspect. Il est devenu un vrai Curtis là. Mais c'est normal, les deux marchent ensemble. C'est ça, ça. Peut-être que Curtis l'a contaminé, hein, qui sait. Je te dis. Ouais, il a trop changé. Comme faire attention. Je te parle d'une petite coche chocolatée. J'ai pas d'une coche chocolatée. Des cacao au lait, comme on dit à ma vie, c'est Nico formaté. Elle me dit qu'elle est fan de moi. Étant donné que je suis fan de ça, je lui ai dit que je suis fan de toi. Bébé, j'ai dans mes bras et c'est comme ça qu'on s'est géré. On s'est géré. On va bien manger, hein. Ouais. C'est ça la dernière fois là. C'est ce qui s'est passé avec mon frère. Curtis. Ça là, il a eu des problèmes avec les deux filles là. Les deux filles qui sont venues à la maison. Avec Vicky, non. Hein? Et non, attends. Tu sais, on doit pouvoir. Je pense que la semaine prochaine, on pourra caler un rendez-vous. Quel rendez-vous? Tu sais, un rendez-vous pour l'assurance de la voiture, là, je t'avais parlé de ça. L'assurance de la voiture, on doit caler un rendez-vous pour ça, c'est très important. L'assurance de la voiture, ça finit bientôt, là. Tu vois? T'es obligé de changer de sujet? Pardon? Dis bien pardon, tu as bien entendu. Non, faut... Attends, j'arrive, attends. Bois même, étouffe-toi avec. Ça va sinon? Ça va pas. Mais tu sais, faut qu'on sorte un peu, faut qu'on voyage. Moi, je veux qu'on voyage, là. Tu es quitté d'un sujet et puis tu es parti en voyage. Tu vois, tu as ma rendez-vous. Tu sais, là, il faut qu'on parte en Thaïlande. Oui, ça, non, parce qu'il faut qu'on parte en Thaïlande. Tu m'entends parce plus. Que là, tu sais, la Thaïlande, ça sera bien pour nous. Ouais. Ça nous fait du bien. Tu sais, il y a des beaux paysages en Thaïlande, tout ça. D'accord, on peut faire plaisir là-bas. Après, de vite, on peut laisser en Thaïlande. Dis quoi? Bah, il est là, mais. Il cherche un appartement en ce moment, c'est grave difficile. Lui, il cherche un appartement ou toi, tu cherches un appartement? Je cherche un appartement. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pour avoir un chez moi? Si tu veux venir chez moi? Bah, non, je sais pas avec qui tu vis, je sais pas. D'accord. C'est mieux quand tu viens me voir, j'ai chez moi, t'es à l'aise, tu penses pas? Du coup, ouais, tu veux me parler de quoi? Comme en ce moment je travaille pas, oui. J'ai besoin d'une caution. Caution égare. Voilà. Du coup, t'as besoin de combien? 300 euros. 300 euros ouais. Et tu l'avais pour quand? Bah, le plus vite possible. Le plus vite possible? Ça veut dire que même si là, dans 5 minutes, c'est plus vite possible, hein? Qu'est-ce que pourquoi pas. D'accord. Et 5 minutes, vas-y. Ah, je sais pas. Comment ça, tu sais quoi? Je sais pas. Tu veux pas m'aider, moi? Je sais pas si. Moi, ton bébé. Ça vaut le coup. Oui, donc c'est ça, hein. Mange un peu. Non, mange j'ai plus faim. Franchement, j'ai plus faim. Ouais, un peu. Attends, excuse-moi, on m'appelle. Mais je. Tu n'as pas dit ton téléphone était sur. Justement, je pensais que j'avais coupé mon téléphone. C'est pas moi, je rappelle. Non, attends, bébé, attends, deux secondes. Non, arrête. Attends, deux secondes. C'est ma boss. C'est ma boss qui m'appelle. Attends. C'est ta mienne, boss. C'est ta boss qu'on mange. Attends, bébé, pardon. Oh, pardon de quoi? C'est ma boss. C'est ma boss qui m'appelle. Ça avec qu'elle t'a dormi ce soir. Au revoir. Aïe. Viens. Oui, allô? Allô, Christian? Oui, c'est Audrey. Oui, j'ai besoin de vous tout de suite. Ah, vous avez besoin de moi à l'instant, là? Ah, boss, là, vous savez, habituellement, là, je viens, mais là, franchement, je suis en train de passer du temps avec ma femme, là, et là, elle s'est même fâchée parce que j'ai reçu un appel, là. Bon, peu importe ce que vous êtes en train de faire maintenant, bah, venez me rejoindre parce que moi, je dois vous voir absolument. C'est urgent. Vous voulez absolument que je vienne? Bon, bah, oui, je sais que c'est important, Ben, écoutez, je vais venir, je vais m'arranger de mon côté, je vais venir.
Je vais venir. Ok. Il n'y a pas de problème. Oui, à tout à l'heure. Merci. Merci. Ça, comment je fais? Là, c'est maintenant, elle veut m'appeler. Elle m'appelle. Je n'ai même pas le temps de rester ma femme. Elle a besoin de moi. Bon, bébé, pardon. Bébé. Bébé. S'il te plaît. Vas-y. Parce que je t'aime. Ah, parce que tu m'aimes. Oui. Oh. Ah, c'est l'amour fou ça. Qui aime bien châtie bien. Ouais, je vois ça. Ok, vas-y, comme là c'est ma pause là, je dois reprendre au travail. Mm-hmm. Et... tu m'as dit 300 euros. Ouais. Tu peux me dire ça au téléphone? Bah non, ça se parle face à face. Tu penses pas? Comment? On doit parler face à face. Tu vas parler face à face? Oui. C'est pas mieux. Là t'es pas content, tu m'as vu, non? 400. Non, c'est. Sinon, c'est tu m'as bon. Là, je veux pas faire, je vais raconter à mon patron qui m'attend. Et... ok. Tu veux que je t'accompagne un peu? Vas-y, accompagne-moi jusqu'à la voiture après. La classe. Allô. C'est Joe Park là? Mais vas-y, je suis pas loin, j'arrive là. Deux minutes, je suis là. T'inquiète. Allô. Bah Christian, écoutez, j'ai fait appel à vous pour faire un petit point avec vous concernant le travail que je vous ai laissé pendant mon absence. Et j'ai un petit peu constaté que le travail avait été un petit peu négligé. Ah bon? Oui. Ah, que, je pensais que j'avais bien fait mon travail. Justement, j'étais content de vous voir. J'ai dit, ma boss va me féliciter. Parce qu'il y a des dossiers qui n'ont pas été traités. Oh. Et voilà. Je suis vraiment un petit peu déçue de votre part. Oh là là. Puis voilà. Mais je vais me rattraper, madame. Non, non, oui, mais vous allez vous rattraper, mais pendant ce temps-là, je tiens à mon travail. Je tiens à mon travail. Je sais, mais franchement, si vous ne vous remettez pas en question, moi je vais devoir trouver une solution assez radicale. Je fais ce qu'il y a à faire. J'ai fait ce qu'il y a. Je vais me ressaisir. Ne vous inquiétez pas, oui, je vais me ressaisir. Ça va? Ouais, ça va, tranquille et toi? Ouais, en fait, je voulais te parler d'un truc. Non, mais je suis là pour ça, je t'écoute. En fait, tu vois, depuis qu'on s'est croisé la dernière fois. C'est quoi une fille? Bah, une fille comme moi, tu vois. Tu vois? Ah ouais. Tu vois, on se ressemble, tu vois. Ça ferait bien, tu vois. Je fais que penser à toi. Comment ça, tu penses à moi? Mais je fais que penser à toi. En gros, je veux être avec toi, quoi. Attends, j'ai pas compris. Mais si je parle français là. Tu veux être avec moi? Oui. Revoyez-vous un petit peu quoi. Ah. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que sinon on va devoir aller aux extrêmes. Aller aux extrêmes, je t'ai dit madame. Bah, je vais devoir trouver une solution qui ira à mon sens quoi. Parce que là, franchement, si vous faites pas le travail qui est demandé, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Je vais me rattraper, madame. Je vais me rattraper. Mais si vous voulez, on peut trouver un petit terrain d'entente. Oh, madame. Non, mais excusez-moi, c'était juste pour. Un terrain d'entente. Oui. Hein? Bon. Je fais ça ensemble. T'es bizarre, toi. Pourquoi tu rigoles? T'es, mais t'as la pote à Vicky, non? Et puis quoi? Ça fait quoi? Ah ouais. Mais si ça te dérange pas, moi, franchement. Mais moi, ça me dérange pas si je te dis que je vais être avec toi. Mais moi, je vais pas te mentir en ce moment. Vicky. Non, mais c'est juste qu'en ce moment, c'est plus compliqué, tu vois. Même moi-même, ma position, pas en tant que... pas parlant de Vicky, tu vois, mais... je suis un peu trop...
je m'élargis un peu trop, tu vois. Et franchement, t'es une jolie fille, hein, tu vois. Mm-hmm. Je vais pas te mentir et tout, tu vois. Moi aussi, ça me... Tu vois, ça me plairait bien, tu vois. Mais voilà, il va falloir que je réfléchisse un peu. Ça te plairait bien, mais quoi? Il va falloir que je réfléchisse un peu parce que j'ai trop... ma tête est un peu trop sur d'autres trucs actuellement, tu vois. Donc, je ne peux pas te dire non, mm-hmm. ni te dire oui en même temps, tu vois. Ouais. Voilà, mais après, toi aussi, tu sais que moi, j'ai ma copine, je suis fiancé. Moi, je m'en fous de tout ça. Toi, ça te dérange pas? Bah non. Bah voilà, tant mieux alors. Si ça te dérange pas, moi, ça me va bien. Mais là, franchement, actuellement, tu vois, c'est un peu... Je ne vais pas te mentir, c'est un peu compliqué. Tu vas mettre ce moment un peu... Je sais pas, je vais y réfléchir, c'est pas franchement. Non, c'est quoi? Je vais y réfléchir. Et je peux pas te dire oui là, et je peux pas te dire non aussi, tu vois. Ouais. Donc voilà, je vais y réfléchir. Ouais, réfléchis pas bien. Trop aussi. Hein. Trop longtemps. Ça va pas prendre trop longtemps, t'inquiète pas. Mm. Ouais, on va aller prendre quelque chose. On va vite fait là. On va pas s'asseoir ici galérer là, tu vois. Mm. Mais on va essayer de communiquer un peu plus, tu vois. Voilà. Okay. Mais j'ai déjà ton numéro de toute façon, tu m'as appelé la dernière fois, donc vas-y. Vas-y, on va prendre quelque chose vite fait. Vas-y. Ouf. Ah, Seigneur. Tu me donnes la bonne nourriture comme ça, puis je suis dans les... Ah, c'est pas grave, viens-moi ça quand même. Comment ça se passe comment avec Naira? Ça va, normal. Bien. Voilà. T'es sûr de toi? Mais oui, aïe. T'es bizarre. C'est mouvementé dans la maison. Là. Ouais, mais parce que déjà la dernière fois, là, il y a son ex qui est venu à la maison. Moi, je rentre, je l'ai trouvé avec son ex et tout. Elle est bizarre. Pff, franchement, elle est incapable. Je plais le tif. Moi, je préférais Vicky. Hein. Ouais, mais Vicky, tu vois, elle est trop dans le monde coupé, décalé et tout. Vas-y. Moi, je suis fatigué du coupé, décalé. Tu vois. Et alors? Faut évoluer. C'est pas le temps pour ça. On passe par ici. Maïva, elle est tranquille, tu vois, elle est posée et tout. Ça va, elle travaille. Non, moi, je l'aime pas. Voilà. Donc, vraiment un peu. Mais Vicky, là, comme je t'ai dit, là, elle est trop dans le monde du coupé-décalé et tout, tu vois. Donc, j'ai stoppé un peu les soirées, coupé-décalé et tout ça, tu vois. Là, j'ai envie de me poser, tu vois, franchement, je vais me calmer. Elle a changé. Vous avez changé ensemble, hein. Vous avez beaucoup mais elle, quand j'avais besoin de changer, elle n'était pas là, tu vois. Elle a trop ralenti au fait, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais vas-y. Là, c'est moi, tu vois. On se voit souvent, non, tu vois. C'est bon, on parle. Elle peut changer. On se voit souvent, on parle. Non, moi, je l'aime pas, Maïva. Toi, tu l'aimes pas, Maïva. Moi, je l'aime. Mais non, elle est pas bien pour toi. Bon. T'as pas dit, il y avait une histoire avec son ex. Ouais, mais vas-y, le mec, il est venu à la maison, tu vois. Il a perdu qui et tout. Après, bon, c'est embrouillé et tout. Je voulais le tabasser, tout ça, tu vois. Mmh. Mais après, vas-y, ça va, c'est passé. Tu vois, je m'en bats les couilles. C'est pas normal, mais vas-y, je l'embrouille, je vais pas continuer, je vais pas insister sur le truc, en fait, tu vois. Et elle me plaît, franchement, tu vois, elle me plaît, mais voilà. Ouais, je vais me poser avec elle parce qu'elle ne peut plus, tu vois, je sais pas. Ce qui est sûr, tu vas elle travaille, tu vois. Non, mais Vicky, elle veut pas travailler. Elle est assise à la maison, elle s'en fout, elle fait rien. Elle, mais c'est normal, elle a un enfant, aide-la un peu. Mais aïe. Toi, t'es là pourquoi? C'est pas toi. C'est moi ici pour avoir des enfants, mais. Aïe. Et non, moi, il n'y a pas le temps. On sait jamais. Hein. Non, c'est pas ce que tu sais jamais. Il n'y a pas le temps. Moi, il ne peut pas l'aider. Moi aussi, tu vois, il y a ma petite copine, tu vois. Je suis en train d'essayer de fonder ma famille et tout, mm-hmm. tu vois. Voilà. Donc, faut pas passer mon temps à aider Vicky et tout, tu vois. Quand je peux, je passe là-bas, vite fait, je lui laisse des chèques et tout. Voilà. Vas-y. C'est une galère, la fin, tu vois. Okay. C'est une galère, tu vois. Donc voilà, mais bon. Ouais, bah, il va mieux en tout cas. Donc, moi, j'ai réglé ça. On va régler ça après, parce que après, moi, je suis pas d'accord. Tu as réglé quoi encore? Je ne suis pas d'accord. Mais tu n'es pas d'accord, ça, c'est moi, pas. Ma belle-sœur, elle s'est mais tu n'es pas d'accord, ça, c'est pas mon niveau. Quand toi, tu es à Atlanta, voilà, ce que tu faisais, est-ce que moi, je savais? Donc, il ne faut pas commencer. Non, chacun a pour lui, il ne faut pas commencer ici. Non, commence pas. Tu es jalouse d'elle, il faut dire la vérité. Tu as vu sa femme, gars? Laisse ça. Tu vois, Vicky, mais tu vois, Maëva, il y a une grande différence. Mais tu ne vas pas Vienne. Non, mais laisse tomber, laisse ça. Moi, là, les dames, tu fais des achats vite fait. Je vais faire une surprise là, je vais aller faire des achats pour ça. Bien, ça va être là. Ah, mais si tu viens, pas faire par là même. Non, je vais pas faire par là. Non, mais au calme, mais toi, tu te connais. C'est la fête, hein, c'est ça, toi, tu connais. J'aurais tout donné pour toi, oh Elena. Oh maman, ne me dis pas que t'es désolé. Moi qui avais mis ma confiance en toi, t'as fini par tout gâcher. Je n'ai pas su voir perdre. Ah, c'est merde. Tu fais quoi là, toi? Comment ça, je fais quoi? Saisis ta bite.
Mais c'est ici, t'as envie de voir? Oui, mais moi je rentre chez moi là. Ok. Oui. Et? On peut se voir dès 2 minutes. Vite, moi. Oui, je t'écoute. Dès bien. T'es sérieuse? De. Non, mais parce que t'es sérieuse. Mais attends, Yannick, t'as vu ce qui s'est passé la dernière fois ici et tu reviens encore? Mais dis-moi en fait, qu'est-ce que tu veux en fait? Je comprends pas. Moi, je te. Moi, je t'ai déjà expliqué que ouais. C'était fini entre toi et moi. Tu veux me créer des problèmes ou quoi? Des problèmes avec qui? Comment ça, avec qui? La dernière fois, avec qui t'as fait des histoires? Non, avec ton. Non, mais attends. Ton père, ce soir. Écoute, moi, je veux pas mal parler de lui, tu vois. Attends. Moi, je veux pas mal parler de lui, tu vois. Je le connais pas, ce genre de garçon. On sait comment ils sont. Tu vois? Tu n'es pas mieux. Je suis pas bien, pas c'est pas bien grave, ok. Ok. C'est pas bien grave. Maintenant, moi, je te. Yannick, tu sais quoi? Rentre chez toi. Demain, je vais t'appeler, ok? On va discuter. Je suis là, discutant. Non, rentre chez toi, c'est bon. Hé, tu vois pas d'histoire. T'inquiète, même si tu rentres, moi, je vais t'appeler. Même s'ils nous croisent, je ferai pas d'histoire. D'ailleurs, même pour les histoires, je suis désolé hein, si je t'ai causé des soucis avec tes voisins. Je ferai pas d'histoire, même s'ils rentrent tard. Même s'ils viennent nous croiser, je ferai pas d'histoire. Tu veux rien comprendre, toi. Comprends quoi? Viens. Christine sait c'est où, mais j'arrive pas à le joindre là, donc c'est pour ça que je t'appelle. Il sait où je pose la clé d'habitude, tu vois. Donc, ouais, non, c'était juste pour vous confirmer, pour ce soir, pour l'anniversaire surprise de Maïra, tu vois. Ouais, non. Ouais. Donc, j'ai laissé la clé en bas, il sait c'est où, en fait. Donc, voilà. Et dis-lui de pas oublier, surtout, il y a un truc qui est très important, il sait bien, dis-lui de pas oublier, qu'il ramène ça avec lui, de pas l'oublier et tout. Donc voilà, je vais lui dire que je vais dîner avec elle, tu vois. Et avant de sortir, quand on va sortir, quand on sera dehors en fait, je vous appelle, comme ça vous venez, vous montez tout. J'ai déjà tout mis en place, la boisson, tous les trucs sont déjà installés, tu vois. Je vais tout mettre déjà. Et comme ça, quand vous rentrez, avant de revenir, c'est que je vous envoie un message. Quand je vous envoie un message, vous éteignez tout. Et voilà, quand vous ouvrez la porte, tout et tout, vous lui faites surprise et tout ça, tu vois. Ouais, mais et surtout soyez à l'heure, franchement, parce que vous les gars, on vous connaît. Soyez à l'heure. Ok, y'a pas de soucis, c'est gentil. Mais dis-lui, je sais pas, il parle avec qui au téléphone, mais quand il finit, dis-lui de m'envoyer un texto. Bah, y'a pas de soucis. Hein. Si, je compte sur vous, en tout cas, je compte sur vous, franchement. J'ai confiance. Non, mais j'ai confiance, t'inquiète. Hein. Ok, à tout à l'heure. Bisous, merci. Tu snap.
c'est toi qui me manques. Laisse-moi. Allez. Vas-y, tu veux, je t'attends. Tu peux me ramener mon téléphone aussi, s'il te plaît, quand t'arrives. Tu n'es pas handicapé. Oh là 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 là, commence pas avec tes phrases, je sais pas. Oh,
Tu vois, donc tu vois, hein, tu mets une musique doucement. Chap, chap, et il met une musique. Hey, toi, tu connais, moi, mon petit. Toi, tu on va partir là, on va être pour ça. Précédemment, dans Maeva et Curtis. Sors, on s'appelle. Toi, hey, qui derrière moi là? C'est moi, ton lien, sors, je t'aime. Toi, je sais comment t'as voulu être tout ça. T'es la seule qui peut me sauver parce que franchement, là, je sais plus quoi faire avec elle. Je vais lui parler parce que ce qu'il fait, c'est pas normal du tout. S'il te plaît, monte. Ouais, t'inquiète, tu peux monter là. Tu vas monter? Ouais. Eva! Eva et Maeva. Enchantée. Sinon, ça a été ton voyage? Oui, très bien. Ah, ok. Ça va la famille, les amis, tout ça? Ouais, ça va. Ça va? Ça va. Bon, ok. Tu sors d'où toi encore? Hein? Je crois que j'ai cherché de l'eau. J'ai foutu pour prendre un petit gâteau là. D'accord. Oh là là, ça tu vas manger. Ah, ça va, je suis là. Comme d'habitude. T'sais. T'aurais pu leur ramener du jus quand même. Non, elle a dit avec de l'eau. Ça va, bien oui, sûr. Bon, ok. Allez, on va même pas. Ça sent bon pour toi là-bas. Les sacs, les fraîches. Bah attends, la sainte à ça. Bon, bah. Je pense que vous avez beaucoup de choses à vous raconter. Mmh. Je voulais...